notre point de départ de tout le spectacle, ça a été ce logo 30, hyper stylisé, hyper premium. Qu'est-ce que veut dire ce logo? En quoi il nous parle? On a ressorti de ça les couleurs très vives, l'énergie du logo, il y a une certaine kinétique qui s'en dégage. Il y a le côté hyper fin, très stylisé. Et tout ça mis ensemble, ça donne un aspect novateur pour la destination. Nous, on se dit comment aujourd'hui, Disneyland Paris, il peut être moderne aussi. Je m'appelle Natalia Bileva, je suis metteur en scène à Disneyland Paris. Je m'appelle Mathieu Robin et je suis metteur en scène à Disneyland Paris. On est toujours resté plutôt classique dans l'ancien temps. Et là, aujourd'hui, quand on regarde toute l'architecture, tout modernise en fait. Il avait vraiment une vraie recherche de quelle tendance aujourd'hui il est là. Ça veut dire qu'on n'a pas fait exprès, écoute, il faut absolument qu'on soit moderne. Du coup, on cherche, non, mais comment être aujourd'hui à la même longueur d'onde comme le monde. Quand on regarde Paris, le Louvre, il a deux côtés en fait. Il a toujours deux côtés un petit peu très modernes. Il y a un côté ancien, ancien Louvre qui est là. Nous, notre idée était comment on peut aujourd'hui un petit peu avoir ce regard moderne, en restant avec nos personnages Disney, en restant avec nos histoires qu'on raconte pendant 30 ans déjà, comment on peut être moderne. Le monde change et 3 décennies pour Disneyland Paris, c'est énorme en termes d'évolution. Et quand on voit ce qu'on a pu faire dans les années 90, ce qui a été fait dans les années 2000, puis maintenant ce qu'on arrive à faire en 2020, c'est extraordinaire. Peut-être le public ne va pas aimer. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est trop moderne ». Je pense qu'avec l'énergie du show, avec tout ça, ils ont bien compris où on voulait venir. Là où aussi on a vraiment travaillé tous ensemble, et notamment avec les équipes marketing, c'était sur la cohérence du discours. Le 30e anniversaire, c'était inscrire la destination dans une nouvelle ère. Une ère qui soit plus fraîche, une vague de modernité, une vague de fraîcheur. On avait ce 30, mais aussi cette tête de Mickey qui se révèle. Ce qui était très intéressant dans les premiers tests qu'on a fait avec marketing, certains voyaient uniquement le 30, d'autres voyaient uniquement la tête de Mickey. Et c'est là où on s'est dit, OK, il y a un truc à creuser en partant de ce logo. La kinétique, on la retrouve sur la gare, avec ses mouvements qu'on va retrouver un petit peu partout. On la retrouve avec nos chars et ses effets circulaires qui vont tourner tout autour du hub. On retrouve le côté hyper premium avec des lignes stylistiques qui sont très fines. On retrouve les couleurs qui sont vibrantes, qui sont éclatantes, qui sont même transparentes sur certains de nos chars, puisque les chars, à la différence d'une parade normale, ne racontent pas d'histoire, elles sont juste le support pour montrer la diversité de nos personnages et les valeurs de nos personnages. On a essayé de faire en sorte que tout soit cohérent pour que ce soit le plus lisible possible pour nos visiteurs. Le travail sur ces chansons a commencé par Un monde qui s'illumine. En fait, ça a commencé même avant de créer le spectacle. Le but était de trouver une chanson phare pour le 30e anniversaire. On a fait appel à différents compositeurs pour essayer de trouver une chanson. Nous, notre rôle, c'est de leur donner un cahier des charges suffisamment précis sur l'ambiance qu'on veut retrouver, les mots-clés qu'on a besoin de faire passer, l'émotion qu'on veut susciter chez nos visiteurs, pour trouver une chanson phare qui va être iconique de cet anniversaire. On l'a eu pour tous les anniversaires précédents, donc celui-là ne faisait pas exception. Et on a fait un premier concours, on a reçu 6 chansons, et aucune n'a vraiment trouvé grâce à nos yeux, on va dire. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on garde quand même une de ces chansons, est-ce qu'on y va? Et ça n'a parlé au cœur de personne. On a été un petit comité à choisir et on a dit non, ça va pas. Donc on repart dans une deuxième vague de compositeurs. On va affiner un petit peu notre brief, peut-être qu'on n'était pas assez précis sur des choses. Et on a eu 4 chansons qui sont arrivées pour cette deuxième vague. Parmi ces chansons, il y avait Un monde qui s'illumine, qui tout de suite nous a paru magique. C'est-à-dire que il y a ce côté easy listening qui est très efficace. Il y avait ces mots en français qui sont issus vraiment de leur part, de leur proposition. Ces 4 mots, ils sont hyper puissants et ils correspondent exactement à l'énergie qu'on veut dégager de ce 30e anniversaire. Les messages, le côté illumination qui vraiment pour nous était très très fort. Parmi ces 4-là, il y avait également Ready for the Ride qu'on avait mis un peu de côté. Elle nous parlait énormément, mais elle avait ce côté
hyper funky qui pouvait pas forcément s'adapter à différentes orchestrations. On avait besoin qu'un monde qui s'illumine puisse à la fois servir pour le spectacle Delight le soir, mais puisse aussi être dans une version un petit peu accélérée pour nous en termes de tempo sur le spectacle. C'est pas le même tempo que sur les autres versions. Et puis nous laisser aussi la flexibilité d'aller explorer peut-être d'autres versions de cette chanson-là. Mais Ready for the Ride est restée très entêtante. Donc c'est un de nos responsables, Michael, qui nous a dit « Non mais on ne peut pas se passer de cette chanson-là, il faut qu'on la garde. » Et on a dit « Bah pas de problème, mais comment on fait, etc. » Et on s'est dit « Bah gardons un monde qui s'illumine, qui devait à la base être notre chanson pour venir et repartir sur Main Street pour le spectacle. Gardons-la uniquement pour le final et faisons un petit mash-up avec Ready for the Ride qui nous servira d'introduction. » Ce qui fait qu'en fait notre grande parenthèse sur le hub, sur Central Plaza, se fait autour d'un monde qui s'illumine, mais la chanson pour arriver sera Ready for the Ride. Et c'est comme ça qu'on l'a gardée, récupérée. D'autres parcs ont voulu la récupérer. Au fur et à mesure, quand le spectacle s'est créé, du coup, bien sûr qu'il y avait trois thèmes qui étaient établis dans le show. C'est la partie de rire, c'est la partie de cœur et c'est la partie de rêve. En partant de ces trois thèmes, on avait choisi les personnages qui correspondaient aux thèmes bien précis. Par exemple, pour le parti de rire, on a Chapelier Fou, Alice, on a Joy et Jenny. Et du coup, bien sûr que si on a cette partie-là, évidemment, on essaie de tourner toutes les musiques autour de ces personnages-là. Quelle chanson il peut correspondre à rire? Qu'est-ce qu'on veut passer dans ce message-là? Que rions plus fort, encore plus fort et encore plus. Le choix des musiques, des chansons, était établi pour chaque thème. Et bien sûr que la musique, il a pris une partie qu'il fallait absolument que ce soit très très fort. Effectivement, il y a le moment de l'enregistrement qui s'est passé à Nashville, mais on a eu tout le travail pendant des mois ici pour justement pré-produire toute cette show tape. On a trois grosses parties dans le spectacle, mais qui vraiment ont été conçues comme des mash-ups plus comme des medley. On a des parties medley, mais on a aussi des entremêlements, c'est-à-dire qu'on sur une certaine chanson, on va prendre qu'une phrase. Sur une autre, on va prendre qu'une petite référence mélodique, et ce sera tout. Le sifflement de Pinocchio, par exemple, il est imperceptible, sauf pour le grand fan de Pinocchio qui va dire « j'y reconnais ». Et c'est ça qu'on voulait. On voulait avoir cette espèce d'euphorie et d'effervescence, de bouillonnement, de tout, comme si on avait mélangé toute la musique de Disney pour en ressortir que les moments qui nous intéressent, en particulier le rire, le cœur et le rêve. Donc c'était vraiment comment est-ce qu'on met tout le panel de ces musiques existantes Disney et qui parlent à tout le monde, de les mélanger au service d'une seule histoire. C'est bien de trouver parfois les arrangements d'une chanson, que les gens les entendent dans un certain arrangement. Et en fait, tu changes complètement la vision et tu le mets à notre style. Parce que toute la tableau de chœur, il est faite un petit peu à l'espagnol. C'est un petit peu latino. Toutes les chansons sont arrangées dans cette façon-là qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et puis ce qui nous intéressait aussi, c'est d'aller prendre des choses très anciennes, des choses très modernes. C'est pour ça qu'on a aussi des personnages comme Miguel pour la première fois à Disneyland Paris sur ce spectacle avec une nouvelle approche de la musique. C'était pour nous très intéressant de pouvoir faire ces mariages, notamment ces petits mash-ups. Moi, je suis hyper fan aussi du moment réponse où on a une reprise un peu gospel. C'est un truc qui est presque improvisé au fur et à mesure de la production où on s'est dit « Ah, ce serait génial de donner ce petit côté un peu twist, un peu différent dedans. » Et je sais pas, toi, tu as un moment préféré aussi dans le spectacle? Je pense que tous les deux, on a le même moment préféré, c'est les cocos.
C'est la reprise de guitare Remember Me. Ouais. Quand c'est, en plus, c'est arrangé dans le, un petit peu latino, dans le style comme ça. Et en fait, ça fonctionne très très bien. Avec notre chorégraphe Delphine Lemaître, elle a vraiment, vraiment compris comment il faut mettre cette partie-là pour qu'elle soit vraiment très visuelle. Et ça fonctionne. Et chaque fois, on danse avec eux. Il y a un petit moment quand on fait tous la guitare et même un petit instrument derrière avec les mains. C'est super. Ouais, c'est toujours une émotion. Ce moment-là, on ne s'en lasse pas. On voit que les danseurs ne s'en lassent pas non plus. Et on voit que le public ne s'en lasse pas non plus. Les habitués, ceux qui viennent nous voir régulièrement, les cast members qui travaillent sur le spectacle, c'est un moment qui est hyper fort parce que le visuel correspond parfaitement à l'émotion qu'on ressent à ce moment-là. On est parti avec une idée basique. On fait les mêmes costumes pour tout le monde. Du coup, on a fait ça et ça ne nous plaisait pas du tout. L'histoire qu'on voulait raconter, on n'y arrivait pas avec les contraintes qu'on s'était mises. Un costume garçon, un costume fille, tout le monde habillé pareil. C'est ce qu'on aurait fait il y a 20 ans. Et ça aurait fonctionné sans problème. Ce qu'on a toujours fait. Et ce qu'on a toujours fait. C'était très intéressant de se dire, OK, c'est pas le bon moyen de raconter l'histoire. Comment est-ce qu'on peut switcher ça complètement, quoi? On a changé d'idée. On a envoyé la demande aux danseurs, qui étaient déjà choisis. Et on a demandé aux danseurs comment ils aiment bien s'habiller, qu'est-ce qu'ils aiment bien dans la vie. En fait, leur style, leur identité. Et ils ont envoyé les réponses avec leurs photos, qu'est-ce qu'ils aiment bien mettre et tout ça. Et de ça sont partis les costumes de 30e anniversaire. On avait retrouvé les différentes identités dans les différents costumes. Du coup, c'était ça la recherche. Nous, on était quand même agréablement surpris. Clairement. Parce que parfois, tu ne sais pas où tu vas, en fait. Ouais. Parfois, tu testes, tu essaies de voir si ça fonctionne. Voilà. Mais avoir cet effet-là sur cette partie, c'était vraiment une agréable surprise pour nous. Ça a été une vraie discussion avec toutes les équipes, puisque d'habitude, on crée les costumes, on va chercher les danseurs et les danseurs rentrent dans les costumes. Là, on a complètement inversé cette mécanique-là. C'est-à-dire qu'on a demandé volontairement à l'équipe costuming de se mettre en retard sur leur planning en disant « attendez qu'on ait choisi les danseurs ». Une fois qu'on a choisi les danseurs, on a vraiment pris ce temps, comme tu l'as dit Natalia, d'échanger avec eux. Vraiment le plus sincèrement du monde en disant « mais qui êtes-vous » au-delà de vos compétences de danseurs pour lesquelles on vous a pris pour le spectacle, qui êtes-vous personnellement? Et ça, c'est l'histoire qu'on voulait raconter dans le spectacle. La diversité, l'inclusion au maximum, le fait que chacun dans le public puisse s'identifier à quelqu'un sur scène. Et en même temps, quand on regarde le panel de tous nos danseurs habillés tous différemment avec des dégradés de couleurs différents, ils forment une unité. Et c'était exactement visuellement ce qu'on voulait raconter. Et là où c'est encore plus fort, c'est que du coup, on a commencé à voir certains de nos visiteurs qui ont reproduit les créations. Ce qui est pour nous et l'équipe costuming, notamment Sandrine Deschamps qui a dessiné tous ces costumes-là, c'est quelque chose dont elle peut être vraiment très fière parce qu'elle a réussi à donner par sa vision de l'inclusion la liberté à des gens de pouvoir venir comme ça sur le parc. Et même au-delà, puisque maintenant Merchandise va également sortir des lignes inspirées de ces costumes-là. Donc c'est vraiment c'est quelque chose dont on est vraiment très fière. On avait l'impression que toutes les étoiles s'alignaient pour que ça puisse fonctionner. Et du coup, la réception du public, elle a été encore plus forte pour nous et très euphorisante pour les artistes, pour toutes les équipes techniques et évidemment pour nous aussi. Tout le but de ce spectacle, c'était de capturer le moment de liberté retrouvée. C'est vraiment, pour le coup, ça a été magique. Ce couleur, c'est le sourire des gens, l'énergie du show. T'as l'impression qu'on était enfermé dans une boîte à conserve et d'un seul coup ça s'est ouvert et il y avait une explosion de joie. La collaboration de tous les corps de métier qui, c'est la base du spectacle. C'est prendre des ingrédients différents et les marier ensemble pour créer la meilleure recette du monde.